un moment super fort que de s'arracher, hein, de s'extraire, de lâcher. Faut lâcher prise, faut. Et forcément, de demander d'en parler, bah, ça fait monter l'émotion. La dernière fois, j'ai fait 59 et que c'était pas ce qu'il fallait faire, puisqu'il faut faire moins de 57 et 13 heures ou 12 heures. C'est juste effectivement cette sensation de sentir que je suis capable avec ce bateau, avec Sodebo, de réaliser, de tourner autour de la planète en étant le plus rapide et pas seulement de faire le tour du monde. Quand on nous parle d'aventure à terre, on n'aime pas ça. Mon métier à terre, c'est de faire en sorte qu'on ait prévu l'improbable, tout en sachant qu'à un moment comme celui-là, au moment de partir, on rentre quand même dans l'aventure, dans la vraie aventure avec un grand A. C'est une image assez incroyable quand même de voir un bateau qui part là. Et de se dire qu'il va se faire le tour du monde tout seul, c'est complètement improbable, malgré tout, dans un monde ultra moderne, je trouve. Il y a une espèce de décalage, et puis c'est vraiment beaucoup d'émotions, parce qu'on le soutient depuis 12 ans, et on a l'impression à chaque fois que c'est un déchirement, que c'est difficile. Il a vécu la dernière fois quelque chose d'assez difficile, donc pour nous, c'est aussi une autre épreuve qui l'attend certainement. Mais en même temps, il est parti avec une telle joie, un tel plaisir. Il avait la banane, il avait une niaque terrible. Donc c'est aussi à la fois, c'est ambigu, hein, c'est un moment un petit peu douloureux et puis un moment plein d'espoir. Donc on n'a qu'une hâte malgré tout maintenant, c'est de devoir revenir dans j'espère 55 jours. Quoi. Alors attention pour le passage de Sodebo 2, attention, top, passage de ligne. Voilà, j'ai fait un petit planté, puis là c'est parti pour le grand tour quoi.